De C'est quoi pour enregistrer? parti pour enregistrer. Oui, pour enregistrer, bien sûr que j'enregistre. Bonjour, c'est Arrakis. Bienvenue dans cette vidéo du Seigneur des Anneaux, jeu de cartes évolutif pour la SDRJC TV. Et je suis accompagné de Nostal. Bonsoir, Salut Nostal. tout le monde. Voilà, Nostal et moi, on est parti sur une petite virée complètement expérimentale avec un deck qui commence à 30 et l'autre à 29 sur l'Anduin. On n'a pas peur, on y va. Je ne quête pas, il quête. Ça va, tu quêtes, ça va aller. Ça va aller, on est Tu prêt. quêtes pas, je ne Je tape pas, tout va garde bien. ma main, je garde ma main. Boum. Moi C'est aussi. parti. Je garde juste ma main parce que j'ai une haie de lance en main. C'est tout. Moi? Ouais, je t'en prie. Alors, je vais poser une rune, je pioche deux cartes et je me défausse de la lumière. Et puis, ça va être tout pour moi. Je vais m'arrêter là, Comment slow. ça? Tu te poses pas un piège, tu ne... Ben, je vais en poser un sur le troll, mais j'ai besoin de mes ressources pour ça. Donc, du coup, on va rester comme ça. Ah, tu le payes en moins, c'est quoi? Ah, c'est un pour le garder engagé. Ok. Je vois, c'est un qui coûte cher. Bah, tu peux le payer déjà. Ah non, il faut qu'il soit engagé. Ça va, j'ai rien dit, ça va, Alors, ça va. remarque, non, ben non, J'ai rien dit. attends, non, c'est moi qui fais n'importe quoi. Il faut que je pose. Oui, de toute façon, j'aurai rien pour bloquer. Donc, t'as Moi, une je... haie, toi, ou une feinte? Je, et je pensais poser un chasseur d'une dinde pour essayer de récupérer déjà un ennemi, choper le troll chez moi le tour prochain, leur taper une haie et les attaquer pour 3, 6, 9, 10, 11, donc presque déjà le tuer. Eh bien, moi, je pourrais mettre le Je forestinaire dessus à ce pense, moment-là. ouais, presque le tuer. Ouais, ok, ouais. Ok, bah ouais, Ok, pourquoi bah donc pas. du coup, je vais plutôt poser des alliés à la place. Ça pourra servir à quêter. Ouais. Petit peu plus tard, donc je vais faire ça. Je vais récupérer Un petit ma tent et lumière en... elfique et piocher une carte et je vais même mettre un double back. Oh C'est bon. bien, ça c'est cool. Ok, Si ok. je peux piocher un piège, je peux poser un piège gratuitement dans la zone. Ah bah ouais, ok, alors ça c'est le nouveau piège, hein. Celui qui donne moins 2 et moins 2 en attaque et en défense, si je dis pas de bêtises. Et vu qu'il coûte 1, tu le payes 0. Voilà, Vu qu'on n'a grâce pas à la Damon. photo. Pas les droits encore, on est comme ça. On est des pirates. D'ailleurs, je l'ai testé tout ce week-end avec mon deck à la rencontre nationale, pas à la rencontre nationale, mais à l'event Summer belge. Et c'est de la bombe ce piège avec l'émeraude. Ah Voilà, bah ça pour c'est la petite clair. parenthèse, très très bien. Tu peux prendre des ennemis, même les petits ennemis, ils étaient à 2 et ils passaient à 0, tu les prenais sans défense, c'était agréable. En plus, ça fait piocher. Donc, bah moi, je vais pas faire grand chose, je vais juste jouer ça. 1, 2, 3, ah, toujours rien. 4, toujours rien. Hey, t'es formidable! Là là, pas de problème. Ah, je peux pas. C'est toi qui as le contrôle du machin. Ok, je vais le faire. Alors, reprendre compte. Je ne peux toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? De quoi j'ai le contrôle de quoi du piège? Non, apparemment, du deck et tout ça. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Ok, normalement, ça devrait être bon. Ok, bah, c'est remélangé. Lui, il s'en va. Bon, bah voilà. Je tuerai le troll un peu moins vite. Pas de bol, ça commence bien. C'est tout pour moi, donc je vais envoyer. Du coup, je peux peut-être Tu envoyer un Blung, hein, vu que peux je vais pas peut-être le tuer. défausser ça? Ouais. Ouais, vu qu'il ne se passait rien. Ok, bah Ok. moi Bah, je vais je vais envoyer. renvoyer ma Blung alors et. Moi, je vais tout envoyer dans ces cas-là, J'en hein, vois donc deux, moi, vu que. on va de volonté. On est à 9, c'est bien ça. On va sur la quête annexe, tant qu'à faire. Ouais. C'est jamais, ça se fait, on l'a réussi et il nous engage pas. On va prendre notre temps. 3, 4, 5, 6, et on a. Ah, il nous en manque un. Ah, j'ai hésité à jouer Win au lieu Ouais, d'Arwen. j'hésitais à mettre un Arthur en quête, donc. Voire Ama, j'aurais dû. Oh, c'est pas en même temps, c'est pas critique non C'est pas plus. dramatique vu qu'on va le piéger. Voilà. J'aurais préféré tracher une feinte qu'une haie de lance. C'est bon, je la récupérerai. Ok. Vers quoi on voyage? Moi, voyager, défausser deux cartes de ma main, ça ne me dérange pas. Oh bah, on y va alors. Ah, c'est parti. Alors, on va défausser ça et. Ah, c'est en random, hein? Non! Si. Non. On mise end at random. Ah, 32. Ça te Ça me dérange et dérange. on n'y va pas alors, hein? Bah, disons qu'en fait, c'est pour poser le danger de la forêt sur le troll, mais de toute façon, je pense que tu pourras tenir le troll même si je pose pas un danger. Ouais, bon, ce serait quand même dommage à mon avis, si on veut être plus à l'aise. Bah, dans ces cas-là, garde et on pioche pas de cartes. Ça m'embête aussi, en fait.
Bah, on les laisse tous les deux, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Tour à ton N pour qu'il était un peu Non, plus je pense qu'il faut fort. qu'on voyage, on n'aura pas assez de volonté sinon. Bon, pioche pas de Non, carte mais alors. fais Pioche prends pas de celui-là. carte alors. Non? Tu veux y Prends aller? celui-là. Ok, vas-y, on le On se tente, défausse. on est chaud, vas-y. Fossé au pire. Tu vas voir. Ça va être bon. Il est. Ah non, c'est pas bon. Je viens de le voir Ah, passer avec les clients j'ai des moyens rouges. de le récupérer de toute Ok, façon. pas de problème. On fera sans. Bah du coup il nous engage. Du coup je peux te le laisser, hein, tu vas le gérer tout seul. Bon, je l'engage volontairement. Avec plaisir, laisse-le moi et puis moi je te laisse la quête et puis comme ça tout ira bien. Partie la plus dégueulasse du Seigneur des Anneaux. Une partie duo où les gens ne se jouent pas en duo. Bah, il reçoit ça pour mes trois ressources. Je fais la haie, tout simplement. Et puis j'attaque Des lances ici. pour un ennemi, ça fait pleurer un peu. Ouais, c'était un peu triste. Hein. Et puis Ah. je vais défausser ça. Et récupérer ma haie de lance, tout simplement. Et je crois qu'on est bon. Ok, on passe au prochain tour. C'est parti! Bon, ben moi je ne peux rien dépenser. Donc du coup, ça c'était défaussé. Et c'est à toi. Notez que si je garde ma Arwen redressée, je pourrais jouer une histoire de Tinuviel sur ton Amarthul pour lui donner plus 3, plus 3, plus 3, et ça me paraît pas dégueulasse. Ça me paraît même pas dégueulasse du tout. Je défausse lumière elfique pour mettre une Ah, je gagnais une ressource. ressource sur ma Bloom, tiens, parce que le Oui, troll parce que t'as m'engageait, donc du regardé. coup je peux jouer une carte. Et Ah, je bah vas-y. pense que je vais jouer. Ah, je peux pas poser mon épée de Numenor, c'est dommage. Bon, du coup ça va être une dague. Ok, à moi donc. Donc je vais récupérer la lumière elfique que je viens de défausser et piocher une carte. Je vais jouer une rune de Dairon, piocher deux cartes. Hop là. Alors, ça sert à poser des embuscades, ça sert à rien dans ce... enfin, avec le deck que t'as. Tu préfères garder les ennemis contre toi plutôt que les tuer avant qu'ils arrivent. Bah toi ça te fait piocher, donc si t'as rien comme autre piège, mets-le. Bah il y a déjà un piège en jeu de toute façon, Et donc puis ça sert. si toi tu dois en engager un à un moment, c'est bien que tu puisses l'engager, le tuer direct, au cas où. Ouais, Mais mais il y a déjà un piège en jeu, donc ce serait Ah oui, peut-être ok, bah oui, bon alors ça sert à rien. dans le jeu 1 pour stacker les sur un même ennemi. Non, mais pour deux ressources, On continue dans la forêt, on continue dans la forêt. on va continuer de se garnir en allié. Voilà, Et voilà. puis c'est bon pour moi, je pars en quête. Du coup, ouais, je me tâte à garder Arwen redressée Garde là, pour. je vais envoyer. Ouais, donc tu redresserais à Martul, c'est ça? Donc je peux envoyer à Martul. Bah oui, t'envoies un Martul en quête, moi je te le redresse immédiatement. Donc je Ah pars non, à 3. Ça se passe quand c'est une phase de c'est combat? jusqu'à la fin de la phase ou du tour? Jusqu'à la fin de la phase, ouais, donc Ok, c'est bah pas... au combat alors. Garde là en Ouais. tape. Comme ça, moi je compense, j'envoie 3 à ta place. Et toi t'envoies 6 en plus. Donc on est à 9. 7 même. À 10. Ok, c'est parti. Un ennemi, tu peux piocher une carte. Dans le piège, ouais. Et puis du Oh, coup, ça il tape devient. à T'as 0. pas 0, ça devient une moule. Tape à 0, il a 0 de défense. Oh, dommage, c'est pas lui. C'est un peu bête. Bah, du coup, on allait sur la side quest, hein, toujours. Oui, bah, de toute On n'a façon, on pas n'a vraiment pas de raison d'aller sur l'autre. spécialement intérêt à aller sur Donc, l'autre. 2, 3, 4, 5, 6. On est combien? Nous, à 10. Donc 1, 2, 3, 4, on explore la side quest. On explore le lieu, on diminue de 5 notre menace. C'est parfait. C'est formidable. Victory display. Et théoriquement, ils m'engagent tous les deux. Donc j'en engage un en intentionnel. Après, moi, je peux engager le plus Et le petit s'il faut, mais bon. deuxième. Bah non, le deuxième, ils vont m'engager aussi. Soit encore une fois, toi, tu as intérêt à avoir plein d'ennemis Ouais, engagés ouais, contre ouais, toi, ouais, donc ouais. finalement. Du coup, je gagne une ressource sur ma Blong. Et ils reçoivent leur carte d'ombre. Et ils vont pas attaquer du tout. Une haie de lance. Du coup, si je ne m'abuse, là, le warg, il ne retourne pas dans la zone de cheminement parce qu'il n'a pas Non, attaqué. non. C'est bien Je le ça. garde avec moi, je pense. Je dirais ça aussi. Je pense que je le garde avec moi. C'est une très bonne question, en fait.
Moi, je pense que je le garde avec moi, parce que, enfin, Je quoi. dirais ça aussi, pour moi son attaque c'est pas résolu, donc je pense que tu le gardes également. Je pense. On peut la jouer à la dure en se disant que vu qu'on sait pas, on le remonte. Hein, je prendrai tous les tours, mais je pense qu'il reste avec moi Déjà, maintenant. Hein. regarde si l'ombre a un effet. Si l'ombre a un effet, là, on n'a même pas besoin de se poser la question. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, c'est bien, il y a un autre troll qui est passé dans la défausse. Merci au deck de rencontre de nous éviter des questions gênantes. Exactement. Il suffit de parler, on s'entend bien finalement. Du coup, je vais récupérer ma R en défaussant un champ de voyage. Du coup, est-ce que tu veux que je te redresse Avec à lui Martul en maintenant? attaquant là. Ouais, ce serait. Ouais, Comme sinon ça, je fais pas de comme ça, dégâts. tu tues Ouais. le troll? Il attaque à combien alors du coup? Bah, moi, je te donne plus 3 d'attaque, là, mine de rien. Donc plus 3, donc j'attaque à 6, 7, 8, 9, donc en fait on l'explose. Ça me paraît bien ça. Ça me Ouais, paraît tu tapes bien, ouais. même à plus que ça, en fait, avec le, avec ton, 1, 2, avec ta dague. 3, ouais, et la dague à 1 de plus, donc voilà. Il est repeint, ça c'est cool, ça c'est fait. Je garde quand même deux ennemis engagés comme ça, je vais régénérer mes ressources avec un martuille. Ouais, et du coup, le troll part en pile de victoire et on va pouvoir passer à l'étape suivante quand on aura assez de marqueurs. Exactement, et sachant qu'il y a un troll qui est passé dans la défausse, s'il n'y en a plus, donc on va pouvoir être tranquille vis-à-vis de ça. Ok, fin de tour, bah, je vais déjà le faire à la fin de tour, il va gagner sa ressource, comme ça je l'oublie pas. Et on est bon. J'ai même un truc génial pour toi en fait. C'est quoi un truc génial pour moi? Sauf que je peux pas la jouer ce tour-ci, mais quand je pourrais la jouer, une pierre de Célébrion pour Aragorn. Donc il sera tour à deux héros qui géreront des ressources. Ah, ça tombe Super. bien, Et ça. ça c'est. On n'a pas fait les choses à moitié. Hein. Deux decks pris au pif, mais ça marche parfaitement On bien. les a pas fait en entier, on les a pas fait à moitié non plus, donc je vais montrer deux, je crois. Qu'est-ce que je vais jouer? Alors, Je moi, pourrais jouer ça. je vais rejouer ma. Depuis le cimetière, ma lumière elfique. Je vais défausser une carte pour donner une ressource Tu à. joues pas des Hit the Dream dans ton deck? Pas du tout. C'est J'ai pas dommage. mal de pioches, mais bon, T'as pas la honnêtement, j'ai pioche fait le. maudite non plus? Non, mais honnêtement, j'ai fait le deck en 5 minutes. Il y a 5 Sur les minutes d'ailleurs. chiottes, 35 minutes. Ok. Est-ce que du coup, si je pose un. Ouais, je peux poser un autre piège encore, donc Ouais, bah tant qu'à vas-y, faire. fais-toi plaisir. On aime ça, les pièges. Donc pour une ressource, puisque j'ai Damrod. Ça te fait piocher, en plus c'est un ennemi de moins à gérer. Et si Ceci dans la on zone n'a de pas feu. d'ennemi et que l'autre monte, on. Ok, c'est bon pour Bon, moi. du coup, moi je me tâte. Parce que je sais qu'il n'y aura pas d'ennemi avec 5 points de vie, il y en a un. En Oh fait, là là, si je en me plus, tâte on pour. connaît le deck de rencontre par cœur, mais c'est incroyable. Enfin, il y en a un, il y a le gros champion là qui gagne des ressources sur lui. Mais je pense que je vais jouer safe, garder ma ressource pour pouvoir te mettre Célébrion, la pierre de Dany Brillant le prochain tour sur Aragorn. Comme ça, en quête un peu plus fort, ça me paraît pas plus mal. J'ai pas besoin d'une arme là en plus tant que maintenant. Donc c'est bon, j'envoie juste deux. Du coup, moi j'envoie tout en quête. Je vais peut-être garder un allié pour bloquer au cas où, si jamais je me. Bon, remarque, non, Non, en fait. pas besoin, je Je peux pense. pas me re... je peux pas me retrouver avec un ennemi, vu que de toute façon, Il un va être ennemi ou dans le tombera piège forcément ou dans le dans le truc. Sauf s'il y piège. a renfort et si c'est voilà, si c'est ça. Sauf s'il y a un renfort, Donc ouais. à la limite garde un Ent et on voit le reste. Bon, je vais garder Aragorn, il a des meilleures stats. Ouais. Puis c'est un ranger, j'ai des trucs à faire avec les Ouais, puis rangers au en pire il engageant est, des ouais. rangers, donc. C'est ça, ouais, garde le roi. De toute façon il est au bar là, il fume sa pipe, il boit sa bière, on va pas le faire chier. Tranquillement, Pas il faire chier le regarde sa garçon. nana partir en quête à sa place avec un inconnu. Non, c'est Damrod, c'est un pote. Moi je me poserais des questions, mais bon. C'est ça, ils partent tous les deux dans la forêt, on sait pas trop ce qu'ils vont foutre. Ceci dit, si tu veux garder à la limite ton étire pour le garder, t'as des Anfalas dans ton deck? Ouais! Garde-le peut-être lui. Non? S'il y a jamais la traîtrise et que tu le Ah, perds, ce serait pour con un de. dégât à chaque. Ouais. Éventuellement, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Bon, du coup, 6. je quitterai à 9, c'est quand même Ouais, bah de toute façon, pas. s'il y a un ennemi, il va avoir moins 2, donc on est quand même bien là, je pense. 1, 2, Ouais, 3, moi 4, je 5, suis à 6, 7, 9. 8, 9, 10, 11. Moi, je crois qu'on est Avec toi, bien. t'as 2, t'as. Ouais, donc oui, non, c'est bien. Allez, hop là. C'est bien, il se passe rien. Très bien. Et 3, c'est bien aussi. Ok, bah du coup, il y a 5, on a quoi? On a 11. On a 11, on avance de 6 en fait. On avance de 6, mathématiques. Voilà, c'est pas mal. On peut voyager vers le champ Osiris. On peut voyager vers là-bas, ouais. Maintenant qu'on a bien baissé nos menaces, on est assez tranquille.
Ouais. Je vais diminuer ça. Ça, je peux le fermer, je pense. Ok, t'es toujours là? Oui. Ok, pas de problème. Champ des iris, ouais, c'est ça. On est bien. Puis, bah, le combat, hein, si. C'est ta partie, ça? Et bah, tout simple, hein. Une carte d'ombre. Une, deux, trois ressources. Merci d'être Voilà. passé. Merci d'être venu. Bon, voilà. De toute façon, il n'attaque pas. On a évité une belle ombre sur le vargue, mine de rien. Et voilà. Ouais, à fond. Elle est bien là, celle-là. Des pierres du cycle. C'est pas la pierre du Du coup, cycle. oui, vu que le gobelin n'attaque pas, on n'a pas besoin de retirer de marqueur, ça c'est sûr. Ouais. Donc, Je pense qu'on est bon. fin du tour, donc on augmente de 1 notre menace à Juste cause du. défausser une carte. Je vais défausser. Je suis pas le prêt de le jouer. Ça commence à être short. Il va falloir que je pioche de la. Que j'aille de la pioche, moi, non. Et j'ai pas du tout de matome dans ce deck, malheureusement. En fait, c'est un deck solo, quoi. C'est ça que t'es en train de me dire. Non, je crois pas, non. Avec ces couleurs-là, Bah, c'est 30 bon. de menace, vaut mieux pas. Augmente ta menace de 1 pour le champ d'iris. Ouais. On fait ça. Bon, si c'est un deck solo avec Aragorn, tu t'en fous un peu de la masse. Ah, bah voilà, je disais qu'il me fallait des ressources un petit peu. Et bon, voilà. Du coup, il faut encore attendre un petit peu pour avoir ton intendant sur lui. Donc, je peux pas te mettre encore la pierre parce que si je la mets, je sais pas faire la L prochain tour. Non, mais il Et. n'y a pas de souci, hein. C'est pas pressé non plus, hein. Et je vais garder ça pour défausser. Il faut que je garde ces cartes. Il me faut vraiment que je pioche ma. Il faut vraiment que j'aie mes piocheurs là. Ça devient urgent. Ou une lumière elfique ou des marteaux. Mais j'ai pas. Bah, c'est bon pour moi. Ok, donc moi je vais encore récupérer ma lumière elfique et piocher une carte. Je vais défausser une carte de ma lumière elfique, enfin défausser ma lumière elfique pour donner une ressource à Aragorn avec Arwen. Et je vais utiliser 4 ressources pour poser. Oula, en borne. Non, Galdor. Voilà Galdor. Petit elfe, Voilà le Galdor. copain de Galadri de Arwen. Darwen, voilà, comme ça, tout va bien. Bah, je pourrais encore poser un piège gratuit, mais vu qu'il y a un piège dans la zone, ça sert à rien, puisqu'on rappelle que Tout à fait. Parce les que c'est pièges. cette extraordinaire règle, on en a parlé ce week-end, on s'est dit c'est vraiment C'est dommage. ça. C'est vraiment ça qui pourrit un peu la mécanique des pièges pour l'instant. Ouais, c'est-à-dire que comme les pièges s'attachent sur le premier ennemi valide qui arrive en zone de cheminement, s'il y a plusieurs pièges, bah, ils viennent tous s'attacher sur le même C'est ennemi. une belle bouchée. Je comprends pas qu'ils aient pas encore fait un petit rework là-dessus. Ce serait vraiment sympa. Après, Ça mangerait pas de pain. ça peut être intéressant parce que par exemple, Ah, tu mets le celui-là il piège qui bloque. prend les dégâts là, qui fait deux fois le Voilà, sur. dégât, tu mets sur le même. Et, bon, si t'as Ah. pas de bol, il faut quand même de la sonde. Parce que t'as pas de bol et que tu tombes sur un mec qui a 2 points de vie. Là, tu râles. Mais ouais, Non non, mais voilà, je trouve parce ça un peu que. dommage. Ouais. Tu devrais les Ouais, mais mettre on. dans, tu devrais les poser dans un certain ordre et les ennemis se posent dans l'ordre Oui, je suis chronologique, d'accord, quoi, mais par tout exemple, simple. tu passes une étape de quête, tu sais qu'il y a certains ennemis qui vont arriver, donc tu peux prévoir ça aussi. Parce que si tu mets ce piège-là et l'autre piège qui dit par exemple que tous les personnages peuvent attaquer le personnage qui est Ouais. l'ennemi qui est piégé, ou le piège qui grignote 2 points de vie par 2 points de vie, Ouais, surtout il peut que y avoir ça. un truc à Ouais. faire. Mais bon, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai deux pièges en main, j'ose pas les jouer parce que Moi, il j'attends y a la des carte enquêtes dans la zone, qui quoi. a été spoilée, là, qui va arriver bientôt. Interrogation, ça peut être pas L'interrogation, mal du ça coup, va je être pense. vraiment, vraiment bien, je pense, avec les pièges. Ça va vraiment être juste génial, cette carte. Du coup, j'ai encore pas posé mon Anfalas, donc je vais peut-être toujours pas envoyer l'escrimeur de Non, non, Lithir, garde-le bien, histoire de garde-le bien, ouais. sauvegarder. Moi, je vais envoyer lui. Peut-être garder ça au cas où je veux pêcher Oh, quelqu'un. sachant que je suis quand même à 11 de quête, hein, relativement royal. D'accord, bah, Il faudra pas hésiter à me rappeler aussi que je peux utiliser le pouvoir d'Aragorn parce que je crois que c'est la première fois que je joue cet Aragorn-là, donc j'ai pas du tout. c'est mon préféré, moi, mais ouais, pas de soucis, ouais. T'es à J'ai 26, pas donc ça va, t'es du cool. tout le réflexe de penser à pouvoir l'utiliser. De toute façon, il me ramènerait à 32 menaces, ce qui est assez haut. Bah, Donc. ce qui est plus haut, tu peux le faire, mais tu seras plus haut que maintenant, donc. Ah, c'est pas dit parce que c'est réduisez votre menace à votre menace de départ. Ouais, bah tu Mais là, commences en à. l'occurrence, si je vais à ma menace de départ, je ne réduis pas, je monte. Ouais, il faudra demander ce qui se passe, ouais. On va demander à Caleb. Ouais. Il serait capable de nous dire de Bah. réduire en augmentant. C'est capable de dire que tu l'as réduit de 30 en fait. Tu l'as réduit Tu de passes à plus. moins 4 quoi. C'est ça. bah, c'est parti.
Ouais, C'est oui, j'aime bien. très bien. Donc Ok, pour donc ça l'instant, fait il a quoi? plus Il a 1. plus 1. Voilà. Oh mon Dieu. Ah bah là voilà. Ah. Et du nez. Alors je joue bien évidemment détester sa volonté, mais je ne l'ai bien évidemment pas pioché, sinon. Bon, ça Ça va, personne ne meurt, donc je pense qu'on peut se le permettre là. oui, personne ne meurt, surtout que je Donc vais poser ça fait un 1, 2, 3, papy soigneur. 4, 5, 6. Et le reste sur la quête. Donc on est à combien? 13, donc ça fait 7 sur la quête, donc on passe en fait. Et on explore le lieu qui part en victoire. Qui part en victoire, tout à fait. Et les choses sérieuses commencent. Et les ennemis n'engagent plus, donc on piège sert toujours à rien. Oh mais là il va survivre, hein. Il va y avoir 3 cartes révélées. On va pas voyager parce que j'avais envie de piocher. Ouais, oui, je suis d'accord. Moi aussi. Les cartes Surtout que le lieu d'ombre. nous embête pas vraiment, parce que bon, deux de menaces, la Les rigolade. cartes d'ombre. J'ai presque envie de les bloquer ce tour-ci. Tu vois ce que Ah, il je y en veux a un dire? qui tape à zéro, hein. Je peux bloquer lui sur lui. Et lui, il tape à 0, je peux le prendre un def ou même sur Ama. Et comme ça, je. Moi, je peux bloquer sur Aragorn aussi si tu souhaites garder ton Ah ouais, local. Amarthuil, ouais, peut-être faire comme ça. Et lui sur Parce lui que alors. si en plus s'il a pas d'ombre, il repart dans la zone, il tombe dans le piège et là on a tout gagné. Ouais, à part moi, je gère pas ma ressource, mais j'en ai pas besoin parce que je vais en avoir une troisième, donc c'est bon. Moi, je dis juste ça pour pas perdre une carte, tu vois, ça pourrait être sympa En ce tour-ci, je attendant pense. surtout. Donc, et que j'ai l'intendant, donc ouais, on peut faire ça Non comme mais je ça, tu suis le sens d'accord, bien, ça ouais, vaut c'est pas mal, ça. je pense, hein. Ou sinon tu bloques le warg avec un Martiul et moi je bloque l'autre avec Aragorn au cas où il a une grosse ombre, plutôt que de faire une sans def même s'il tape qu'à Moi, je pense zéro. que justement, le Warg sur machin, vu que t'as plus de points de vie que moi, c'est peut-être pas plus mal. On fait ça. Il attaque à 4, 3. donc 3, Ah oui, non, 4. 4, oui, donc il gagne plus 1, donc il m'inflige 2 dégâts. Voilà. Et il reste là, vu qu'il a eu une ombre. Lui, bah, je peux juste y aller au calme avec lui. Mais tu bluffes? Tu fais pas sans def? Non, c'est bien comme ça. Donc il a eu un effet d'ombre l'autre, donc il reste bien là. Lui, par contre, il va nous attaquer. Ouais, mais en fait, ça t'arrange parce que ça te fait deux ennemis. Donc il m'engage, je gagne une ressource. Ah oui, en plus. Non, parce que lui il va redécoller, mais ouais, on verra peut-être pour en tuer un. Hein, parce que lui il va revenir, lui ça va être le prochain renfort, donc il va retourner À son moins que deck tu de le tues. rencontre. Si tu le tues, tu l'envoies au cimetière. Non, j'aurai pas le temps parce que je crois que c'est après son attaque. Hein. Non, Après. ça a été. Non, en fait, le after combat, c'est après la phase de combat. Ça a été expliqué par Karine. Ah, En fait, d'accord. t'as la possibilité de le tuer. Et si tu ne le tues pas, il repart sur le deck de rencontre. Mais si tu le tues, il va dans la défausse. Et donc, en fait, ça t'évite un Donc si renfort je veux le tuer, gratos. par contre, je dois le prendre sans défense. Si tu veux le tuer, tu dois le prendre sans défense. Mais enfin, là, en l'occurrence. Peut-être défends-le, hein, fais comme tu sens, Ouais, mais. je vais défendre, je vais pas prendre de risque. Ok, je prends un sur lui. Voilà. Donc lui, à la fin de la phase du combat, il s'en va. Ouais. Le warg il reste, donc en fait, t'auras bien tes deux ressources. Ouais, je vais la mettre maintenant. Et c'est bon alors, hein. Sachant qu'on sait qu'il va tomber dans le piège, celui qu'on vient de remettre Ouais, au-dessus. donc on va avoir un renfort normal au final. C'est Ouais, bon. enfin, on va quand même révéler 4 cartes. Vu Ouais, qu'on on va en était. avoir un renfort normal, chiant mais normal, quoi. Ok, bon, là, vu les états de nos personnages, ça me paraît assez primordial d'envoyer un healer. Carrément. Parce que là, on a quand même perdu beaucoup de points de vie. Ensuite, je vais me défausser d'une carte. Donc, en bouche qui me sert à rien. Non, attends, je vais faire autrement. Quoique. Ouais, je vais me défausser dans le bouche, qui ne me sert à rien. Et pour un, je vais poser un escrimeur de Léthyr. Qui donc a un bonus en Un volonté. berger dans le phalas, tu veux dire, ouais. Un berger des Andphalas, pardon. Ouais, qui booste, J'ai pas ok. l'habitude de jouer TE, ça se voit. Ok, c'est cool. J'ai défaussé une carte de ma main avec Arwen, donc je pioche une carte grâce à Galdor. Ouais. Et c'est un autre berger des Andphalas. Spoiler. Ok, c'est bon. Bah alors, je vais te poser ça là, hein. De Dany Brillant sur Aragorn, donc tu gagnes 2 en volonté et l'icône. Et je crois que c'est bon pour moi. Ok, bah, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi.
Donc j'envoie l'escrimeur de l'étire parce que maintenant il a 2 PV. Enfin, oui, l'escrimeur de l'étire. Sachant qu'on n'est pas à l'abri de révéler deux fois la traîtrise de la merci du nécromancien, mais bon. Ouais, ce serait Si un on peu joue mal, mais pas, on gagne pas. 3, 4, tout à 5, fait. Je vais regarder d'ailleurs ma 6, pile de 12, défaut. Je 13. pense qu'il n'y en a qu'une qui est passée. Mais... Tu peux peut-être éventuellement garder ma blonde parce que moi j'envoie quand même 13 enquêtes. Ouais, il n'y en a qu'une qui est passée. Ok, je vais garder ma blonde. De toute façon, on passera pas en enquête, Et donc. d'ailleurs, non, je vais même envoyer 14 parce que je vais garder Arwen et je vais plutôt envoyer Aragorn à la place. Ouais, il vaut 4, donc. Bah ouais, c'est pour ça. Ok, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Alors, tu pioches une carte. Il a renfort. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave, je vais le prendre chez moi, il fera rien. C'est pas gênant, Donc, ouais. ça fait une carte, on est Ça d'accord. fait encore deux. Donc, une carte. Et encore une. Ok. Ok. Hop, Ah, hop, hop. là, on est embêté dans le sens où on peut pas tuer ce sniper gobelin. 9, 10. Bon, t'es un soigneur, donc on va pouvoir temporiser. Tant que maintenant. 10 dans la zone, Donc, t'as compté? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on est à 14, donc on met On 4. avance de 4. Ok. Du coup, lui, on le laisse là. Hein. Il fait rien. Est-ce qu'on voyage vers la menace? Ça peut se faire ce tour-ci, mais. Oui. De toute façon, les ennemis n'engagent pas. Hein. Bon, moi, je vais en prendre un. Hein. Je vais prendre le gros là. Parce qu'il va pas attaquer vu que je vais le feinter tous les tours. Oui. Sauf si on la rejoue encore défense ce tour-ci, mais. C'est peut-être pas. Avec trois ennemis, il vaut peut-être mieux pas trop jouer là. Parce que t'as que tes trois héros qui commencent à être un peu blessés. Ouais, bah ceci dit, tu peux balancer du soin avant, je peux éventuellement les bloquer. À mon avis, il joue pas. Éventuellement. Non, Hein. je vais pas jouer, non. Je vais juste engager celui-là quand même pour enlever de la zone Prends à ta aide chez des moi. lances. Ah oui, il faut que tu le prennes lui, mais tu joues ta aide des lances et puis basta. Hein. On va faire ça, ouais. Les cartes d'ombre. Je gagne une ressource. Et de lance, hein, tout simplement. Et de lance. Donc moi je vais Voilà. utiliser mon soigneur, je vais soigner un dégât sur Arwen parce que c'est celle qui a le moins de PV. Je continue de soigner chez moi, tes héros sont quand même en bonne forme. Ouais, vas-y, ouais. Marc, non, sur tes héros ou sur les miens c'est pareil, donc je Non, vais vas-y, soigner. tracasse, fais le tien d'abord. Hein. Ouais, je vais faire Aragorn alors, au cas où Ouais. il a besoin de refaire une défense. Et moi je défausse l'intendant pour récupérer ceci. À la fin du tour, on a une blessure à infliger à nos personnages. Bon, je vais la mettre gentiment à un mât. Je vais blesser mon escrimeur de l'étire. Et puis c'est bon. Ouais. On est parti. Deuxième headland, donc c'est cool, je vais pouvoir en jouer une sans me casser le cul de devoir la récupérer. Par contre, ça devient un peu short, il va vraiment falloir que je pioche à un moment ou l'autre, quoi. C'est le problème de ce deck, c'est la pioche en fait. Bah Comme j'ai à de la chaque fois pioche, que tu hein. J'ai vraiment des cartes pour piocher, mais bah, des lances, elles sortent pas. marteau ennemi, j'imagine. Bah j'ai la verge de l'intendant, j'ai marteau Ah oui. ennemi, trois fois, la verge une ou deux fois, Legolas une fois, et les lumières elfiques, mais elles sortent pas. Lumière elfique, non. Oh, si, lumière elfique que je joue avec un champ de voyage. Ah oui. Comme ça, je la défausse tout le temps sur la Headlance et je la récupère avec les ressources de Amarthuil. Après, Mais donc ça fait 9 à 10 cartes de pioche, il n'y a rien qui nuit. je sais pas si tu y as pensé, mais si tu joues justement, si tu joues des chants du voyage, peut-être mieux que la lumière elfique, ce serait de jouer l'harpe. Parce Ouais, qu'une la harpe, fois ce serait pas mal non plus. Ouais. que tu as posé une harpe, alors de mémoire, la harpe, elle se pose Mais que sur. là, ça veut dire que la lumière me fait piocher en plus, quoi. C'est vraiment ça l'avantage. Ouais, c'est C'est vrai. que je pioche une carte en plus quand je la récupère dans ma main. Donc Oui, et puis remarque, oui, comme tu fais beaucoup de ressources, non, c'est pas bête, pas bête du tout. du coup, d'ailleurs, dédicace à Ryzen qui joue plus ou moins ce deck là à la rencontre. Car c'est cool. Il n'a pas eu de bol sur ses parties, mais ça lui fera plaisir de le voir, je pense, ce deck. Du coup, est-ce que je joue ça? Ouais, ça. Non, j'ai pas besoin de ressources, je vais la garder. Non, je crois J'ai pas que mon t'aies épée besoin de de ressources. Numenor, ça sert à rien, j'ai l'intendant. Ok, c'est bon. 13 ressources, non, je crois pas que t'aies besoin. Ça devrait aller. Ça devrait aller, je pense, ouais. Moi, je vais défausser une carte de ma main, puisque du coup, c'est toi qui prends tous les ennemis, donc ça sert à rien que je joue.
celle-là, qui est dommage parce qu'en fait ça peut être Je l'ai toujours jamais vu, intéressant. ouais. Alors, c'est après que tu engages un ennemi. Tu inclines un Ranger Scout pour mettre X progrès sur un lieu X, la Ouais, valeur de l'ennemi. Bah ça écoute, fait si de tu la décides gestion d'en de lieu. engager un, ça peut être sympa aussi, hein. Après, il faut que tu puisses le gérer, donc tu quêtes moins inévitablement, mais Non, après les ennemis, ça se met dans un danger de la forêt, mais Ouais. on va faire autrement. Je vais mettre une ressource ici. Quoique non, mais non, je peux garder ma carte. Pardon. Autant pour moi, on revient en arrière, j'ai pas fait ça. Je vais ramener ma lumière elfique. On en parlait à l'instant, j'ai une lumière elfique dans le Tu cimetière, pioches donc une bon. carte, tu la redéfausses à Galdor, tu repioches une carte. Voilà. Une carte. Ah bah tiens, encore la même. Hop, une ressource ici. Tu pioches à Comme je vais Galdor. défausser, je repioche une carte. Voilà. Qui est pas mal lui, avec la lumière elfique. C'est vrai que je joue jamais moi, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Ben ouais, c'est. J'ai voulu essayer Non, ça, c'est j'en très suis sympa, ouais. plutôt content. Il a de On belles va stats. faire deux ressources bleues, puisque tu m'as gentiment donné un champ elfique, un escrimeur de l'étire. Très très bien. Une ressource verte. Une Un souris nouveau berger. verte, oui, qui courait dans l'herbe. Ça c'est très cool aussi. Faut pouvoir bien quêter là du coup. Un Et un nouveau piège. gratuit, c'est cool. Ouais. J'avais possibilité sinon, enfin non, parce que j'ai plus de ressources, mais éventuellement de jouer un nouveau piège des rangers, mais vu que les ennemis n'engagent pas, il vaut peut-être mieux Ouais, baisser leurs stats en tout à prévision fait. de De toute tout façon, à puis l'heure même pour toi, les ça te fait tuer. de la pioche, hein, donc. Oui, et puis comme ça, en prévision de tout à l'heure pour les tuer. Puis là, s'il y a un petit ennemi, du coup, je peux l'engager, Ouais, carrément. je peux jouer mon truc pour explorer un lieu. Enfin, il y a moyen. Ouais, clairement. Il y a moyen de moyenner. Du coup, c'est bon pour moi. Bah chez moi c'est bon aussi. Ok. Alors, je vais garder Est-ce Aragorn que j'envoie cette fois. quelque chose ou pas? Est-ce qu'on appuie un peu avec ma blonde ou est-ce que je le garde au cas où? Je veux tuer quelque chose. Bah, tu peux peut-être commencer à tuer de l'ennemi parce que de toute façon, Ouais, tant que pour j'en ai la deux c'est dernière bon. étape, il faut qu'on les défonce tous, hein. De toute façon, tant que j'en ai deux c'est bon. Donc, Alors 2, attends, 3. là, mes escrimeurs, ils ont plus 2. Enfin, tous mes TE ont plus 2 PV. Donc si je l'envoie comme ça, je devrais être assez safe. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi, je suis à 15 en quête. 15 Sachant en qu'on a quête. 4 dans la zone. Tu préfères que je n'envoie plus et on te laisse gérer tous les mes ennemis? Bon, on voit peut-être juste l'Ent qui est pas blessé là. Ah, ils sont blessés tous les deux. Les Ouais. deux sont blessés. Ah, et 19. Moi, tu peux en garder un si tu veux, Dan, si tu veux faire un bloc avec, quitte à perdre un peu de quête, si tu veux vraiment gérer un petit ennemi. Alors, On fait ça. tu Bah, peux j'ai à la limite, Aragorn, si j'ai. vraiment il faut, tu peux, ouais, tu géreras l'ennemi. Ça, c'est un petit qui tombe dans le piège, tu peux le gérer assez facilement, je pense. Oui, bah oui, carrément. Bah c'est parti alors. Ou sinon tu gardes ton Ent et moi j'envoie ma Blung à la place. Hein. Ça peut se faire, ça compense. Bah non, vaut mieux garder de la puissance chez toi, je pense, pour Ok. tuer des ennemis. C'est parti. La première carte. Voilà. Oh, gros lieu. La Faudrait pas qu'on deuxième. tombe sur l'autre qui fait combo. Là voilà la traîtrise. Tu en rêvais. Toujours pas de tester sa volonté, hein. Et tu vas voir qu'on va pas se taper d'ennemis. On va faire ça à la dure. Ouais, bah carrément. Ah oui, il reste une carte encore, hein. Bah ouais, la carte bonus, ben voilà, pas d'ennemis. Le fameux lieu dont je parlais Alors ça tout à fait l'heure. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour 17, c'est un succès de 6. 1, 2, 3 ici. J'avais pas augmenté ma menace nappe supplémentaire tout à l'heure, je le Ah, fais. moi non plus, je 1, viens 2, de tout 3 et faire. 1, 2, 3 donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. C'est bon. On va avancer de 3 sur la quête. Celui-là va en pile de victoire. On est obligé de voyager là. Ouais. Bah du coup, en Du fait, moi je coup, prendrais tu bien peux cet peut-être ennemi-là. envoyer cet ennemi-là, ouais, tu te le frippes. Comme ça, Toi, tu prends tu l'autre. explores le lieu. Il peut explorer la zone de cheminement, ton event. Bah ouais, c'est tout l'intérêt. Donc, j'incline Aragorn, vu que j'engage un ennemi, pour mettre un marqueur de progression là-dessus. Ouais. Donc, tu mets combien? Hein? Ça suffit, j'ai pas Ah, besoin c'est non quand il plus. t'engage, c'est ça? Ok, donc juste un, ça suffit en fait, ouais, Et ok. toi, t'engages le sabreur, peut-être? Ça nous évite de prendre Bah du ouais, je dégât? peux l'engager, donc du coup, je l'engage avec plaisir. Maintenant qu'il n'y a plus. Non, attends, on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi Tu es si... premier joueur, tu dois engager les ennemis avant moi. Bah si tu fais une... Ah ouais, non, je pourrais pas l'engager intentionnellement, ouais. Non. Donc il faut. Non, en fait, il faut qu'on fasse l'inverse. Il faut que tu me donnes. Il faut que toi, tu prennes celui-ci. Ouais.
et que moi je prenne l'archer. Et au final, ça change, enfin, ça change rien, je peux quand même jouer mon événement et mettre deux marqueurs de progression sur le lieu. Ouais, t'en mets deux à la place de 1, donc ça revient au même. C'est ça. Ok, les cartes d'ombre chez moi. Puis lui, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Et chez toi. Chez moi, bon, on se casse pas le cul et je vais pas la reprendre en main. Je la joue, j'ai une deuxième, donc voilà. Moi, je vais bloquer avec l'ent errant. Tu bloques avec l'aine de Téhéran. C'est bloqué. Pas de carte Attends. d'ombre. Tu peux soigner un coup. Ouais, je vais envoyer le soin maintenant. On va soigner Arwen déjà et peut-être tes étires ou tes. Enfin, ouais, peut-être tes machins, tes tuyaux, c'est pas mal. Hein. Je vais envoyer un berger. Enfin, je vais soigner un berger, celui que j'enverrai en quête. Et je vais soigner, pardon, je ne l'ai pas redressé si tu as un misclic. Et je vais soigner un mof. Ouais, sinon tu peux soigner Arwen hein, si tu veux, c'est pareil. Arwen, oui, remarque, Arwen, c'est la seule qui est inclinée en phase de quête. Ouais, donc autant la préserver un max. Ouais, ok. C'est bon. Ouais, Je suis chez mort. Ouais, moi, ça sera tout. voilà. Et du coup, on n'a pas de dégâts à Bon, prendre, ce qui est vu bon à savoir, que. c'est que la troisième Necromancer Reach est passée. On a vu les trois, là? Ouais. Oh, bah, ça, c'est parfait. On Du peut coup, partir pour un prochain tour. je vais peut-être tuer quelque chose. Lui, il a des points de victoire, donc je pourrais l'envoyer à Patres. Ça me paraît bien. Allez, 3, just for score. 6, 7. Il a un niveau de menace plus élevé, donc j'attaque à 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je le one shot. Et je gagne une ressource sur ma blonde parce que je me suis fait engager aussi. Ok. Et Martuil va générer la sienne. C'est bon. Ah, de la pioche, quoi. Alors, en parlant de pioche, je vais continuer mon petit manège avec la lumière elfique. Ok. Pas pouvoir piocher ce tour-ci, mais le tour prochain, ça va être bon. Je vais défausser une carte de ma main pour mettre une ressource sur Aragorn. Hop, j'ai défaussé une carte, je pioche grâce à Galdor. Galdor qui est en fait Ouais, pas mal, très hein. intéressant, mine de rien. Bah J'en surtout ai. qu'en plus avec tes pièges, enfin t'as vraiment. Moi, je me suis rendu compte de ça. Hein. Une fois que t'as des pièges avec Damrod, t'as vraiment un bon moteur de ressources assez stable, donc Ouais, et puis très finalement, là, très impressionnant. j'ai pas mal de pioches, en fait. Alors, j'ai qu'un Galdor dans le deck, mais en fait, quand je vois le travail qu'il fait, Ouais, je me demande si je vraiment vais pas en bien, rentrer un autre. ouais. Ouais, ça ou Alors. un Gléoïne, hein, ça te coûte moins cher et t'as quand même deux moteurs de ressources. Donc un qui te coûte un peu moins cher, c'est pas mal non plus. Ouais, Gléoïn ayant l'avantage immense de pouvoir faire piocher les copains. Ouais. Est-ce que tu aurais un attachement à récupérer dans ta défausse? Quoique, ça peut aussi te faire une Bah, carte c'est avec. mieux pour toi, je pense, non? Bah si ça peut aussi te faire une carte à. Enfin genre je te fais récupérer l'intendant que t'as défaussé tout à l'heure, ça te fait une carte à défausser. Non, tracasse parce que moi je vais avoir en place mon. Ce tour-ci, je vais mettre en place la lumière elfique et le Parce que champ. moi Donc du piège j'en ai, hein, ce tour-ci, je suis bien. Donc Moi du piège, j'en ai un en jeu, j'en ai encore deux en main, un de chaque type, enfin y a pas de c'est problème au quoi niveau ton pro? C'est le premier de la pile de défaut, c'est ça? Ouais, le premier attachement de C'est ta. quoi chez toi? C'est. Je crois que c'est une embouche de mémoire. C'est ça. Écoute. C'est plus ou moins pareil. Moi, normalement, mon moteur va être par sécurité. Je veux bien le prendre, comme ça, je suis safe. Mais sinon, mon moteur de Allez, pioche va se tiens. mettre. Donc, Donc ok. j'utilise Bon, ça sur toi. je récupère Ouais, de ça toute façon, alors. moi là j'ai vraiment pas besoin de piège, donc il n'y a pas de problème. Ok, ça va. Et je vais dépenser une ressource d'Aragorn vu qu'il est maintenant bleu et une ressource d'Arwen pour jouer le dernier, la triplée. C'est parti. Ça va dérouler. Et puis c'est tout. Du coup, j'ai pas de ressources pour jouer une histoire de Tinuviel, mais je pense pas qu'on en ait besoin à ce tour. De toute façon, l'important, ça va être de passer maintenant. Je te confirme qu'il y en a bien trois qui sont partis dans la défausse, donc Ok, excellente nouvelle. ok. C'est bon, c'est à toi de jouer. Donc tu peux vraiment appuyer ce tour-ci. Bah moi je vais mettre juste bon, je vais me le payer comme ça, mon champ ici. Ah, Arthur peut générer des ressources de l'icône de la sphère esprit, donc là on est bien. Enfin esprit, on a compris. Énergie en français. Énergie en français, c'est ça. Dédicace à Shep qui va se marrer en entendant ça. Et bah du coup, je peux même me permettre de jouer, mais ça me sert Du coup, t'as quand vraiment même un à rien. Amarthu tricolore, hein, il faut le Donc c'est bien. souligner. Ça, oui, il est Sphère. trisphère, le garçon. Il en a rien à foutre. Il est bien. Il Bah c'est bouffe à bon pour tous les moi. râteliers. C'est bon pour moi, c'est bon pour moi. Ok, Est-ce que tu bah. quêtes tout seul? Ou est-ce que je t'envoie Ouf. deux? Est-ce que je te fais l'affront de t'en envoyer deux?
Je pense pas que t'aies besoin de les envoyer les deux, honnêtement. Je Donc t'es suis pas déjà à sûr. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Moi, je suis à 17. Allez, on va faire ça. Ça fait 18. Non, 19, pardon. 5. 19. 3 escrimeurs, ça fait Bah, 12. sachant qu'il n'y a pas là, je regarde si combien de cartes il reste. 14, donc on va en révéler 3 et au pire 7. Donc au pire tu peux franchement envoyer même tes petits Amphalas parce qu'ils vont rien se prendre théoriquement. Je suis à 22. Paraît pas mal. 22, moi je serais toi, j'en renvoie encore même les 3 là, le 3 avec le deuxième berger, non? Ou alors, par sécurité, si vraiment on oublie une carte, ouais, garde-le par sécurité. Ouais, et puis j'aimerais bien tuer le sniper qui est contre moi aussi. Ok, pas de soucis. On part comme ça. Tiens, si tu croises Broye Rock sur Octogone, c'est son anniversaire aujourd'hui. D'accord, Donc, on si a tu jeu. Non, regardes je pense cette. qu'il m'a dit, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il m'a dit qu'il partait en vacances ou quelque chose comme ça. Et bah écoute, si tu regardes cette vidéo Bonnes un jour, vacances, Broye, bon bonnes vacances et bon anniversaire. anniversaire, voilà. Pense à toi. Et on est parti donc 23, 2, 22 tout seul. Ça fait rien, c'est cool. Ouais, on est toujours assez bon en menace. Il va dans le piège, tu pioches une carte, ça devient une moule. Plaisir aussi. Et la dernière. Fait que ça vaut 2. Ça vaut plus de... Ouais. Ça vaut 2. Un ennemi, un lieu. Donc ça vaut Ça largement fait les 6 en tout. On est à 6. 22. On avance donc de 16. Donc on passe le lieu et On la passe à quête. Enfin, on 17, ouais. explore le lieu et on passe la quête. On passe à 17 ici. Celui-là est exploré. Pas de point de victoire. Ok, on va pas voyager vers l'autre. On a envie de piocher. Ça s'en va. De toute Et façon, bah, je avant. vais prendre le petit loulou, moi. Hein. Mais attends, pourquoi on est. Enfin, on passe? Ouais, c'est vrai, on passe. Boum! On a des cartes à révéler. 4 cartes à révéler. C'est parti, là. On y est, là. C'est maintenant. On est prêt, on est chaud. La première, un lieu à 1, c'est cool. La deuxième, un lieu à 1, c'est très cool. La troisième, le frère, Francis et Francis, ils sont là. Et la dernière, un lieu. On est plutôt cool. Donc, on vous propose qu'on voyage vers le gros. On va pas se faire chier. Ah non, on est obligé de voyager T'as vers pas le le petit. choix. On est obligé de voyager là. Mais rien que pour le plaisir, je peux refaire la même que tout à l'heure, tu vois. Ah bah écoute, si ça te fait plaisir, mais tu vas devoir Ah ouais, ça. engager un gros, hein. Ça me fait extrêmement plaisir. Mais je vais prendre celui-là, il est pas si gros que ça. Mais pas si gros, et puis tu peux le tracher sur le. Tu peux même juste le bloquer avec ton Erebor. Ok, donc tu prends celui-là? Ok, moi je prends l'autre en intentionnel Donc, aussi, vu donc c'est qu'un ennemi simple. m'engage, je joue comme tout à Ça l'heure, fait plaisir expert de voir cette carte tracker. parce que je pensais que je la reverrais jamais jouer, quoi. Parce que je trouve que incliner un personnage Ranger ou Scout, je trouve ça. Enfin, incliner un personnage en général, je trouve ça cher. Mais là, ça fait plaisir à voir quand même. J'ai peut-être des petits alliés d'une dent aussi dans le deck, faudrait voir. Cette carte, elle est tout bonnement excellente avec Hydraen, naturellement. 1, 2, il s'en va. Avec Hydraen, t'inclines Hydraen pour explorer un lieu, et comme tu explores un lieu, tu redresses Hydraen. Mais Hydraen, cette carte, ouais. elle est vraiment excellente Ouais, puis avec t'engages Hydraen. et puis tu réexplores un lieu. Ouais, c'est vrai, dans un deck où t'explores les lieux, ça peut être pas mal, ouais. C'est une Ah, belle en fait, piste, là, je c'est l'ai mis sympa, ouais. juste pour avoir un petit peu de gestion de lieu. C'était soit ça, soit l'étoile du soir. Mais comme j'ai beaucoup joué un deck avec l'étoile du soir, j'ai voulu essayer ce truc-là. Parce que, enfin, dans la logique, je me dis, j'engage un ennemi et après, de toute façon, je le bloquerai contre moi avec un danger de la forêt. Donc, bon. Ouais, clairement. On essaye, hein, on a dit que c'était un test de toute C'est pas façon. ça, Donc, ouais, mais c'est sympa là, j'aime beaucoup là ce que je vois pour l'instant, c'est cool. on teste. En même temps, je suis tombé amoureux de Damrod, donc voilà, je Ouais, pense à cet ben ami, justement, j'aime beaucoup. c'était Il un a deck relancé les contre pièges à Ferronner. lui tout seul et je trouve ça génial, quoi. J'avais envie de lui faire un. Je de lui faire honneur. Déjà sans lui, le piège qui bloque en zone de cheminement, je le jouais. Mais alors depuis qu'il est Ouais, arrivé, pareil. Mais c'était le seul que je c'est jouais. juste du grand plaisir. C'était le seul, pareil, c'est le seul que je jouais. Et c'est là, de maintenant, c'est devenu du grand plaisir. Donc, Exactement. bah les cartes d'ombre, on a fait tout, je pense, on est bon. Donc, Ouais. lui, il en reçoit deux. Il en reçoit Non, deux. il. Attends. La deuxième, ils la reçoivent après. En fait, Parce que d'abord, tu mets l'attaque, une ombre à tous les ennemis en jeu et c'est d'accord. quand ils attaquent. Alors celle-là, elle allait sur lui. Celle-là, elle allait là, là. Ah, c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de lui en mettre deux d'abord. Ouais. Ok, Non, donc chez c'est moi, il que va pas en quand ils recevoir, attaquent. en gros. Faut faire attention à ça. Bon, après, c'est un Ouais, détail. non, Hein. De c'est toute vrai, façon, non, les c'est cartes vrai, d'ombre, c'est. tu les connais pas. Donc après. Bah, c'est un détail sans l'aide parce que chez moi, il va pas attaquer, donc il va pas la recevoir. Donc c'est Oui, plutôt non, mais. bien vu, ouais. Oui, Mauvaise aussi. Ouais. habitude. Mais Ouais, après, bien voilà, vu, bien vu, bien vu. soit tu crois au destin et c'était pas la bonne ombre. Ça dépend. Alors, du coup, le gobelin qui attaque à deux, je vais le bloquer comme tout à l'heure avec mon Ent. D'accord. On Ok, il n'y a retire, pas de mais il n'y a pas de marqueur. marqueur, donc Et c'est lui, bon. donc, qui tape à 1 et qui reçoit une nouvelle ombre, je vais le bloquer avec mon Erebor. Alors, il reçoit deux cartes d'ombre, si je dis pas de Donc, en tout, il en bêtises. a 3 en plus.
Ce qu'il Donc faut que là, tu il lui en donnes sort aussi, une celle. nouvelle. Ouais, je te la dévoile maintenant. Je mets les trois directs. On va faire les trois. Ouais, vas-y, tu m'as Bah fait en écoute, rajouter bonne deux. nouvelle, il n'y a plus de cartes d'ombre. Bon, c'est parfait. Le deck est vide. Et il se passe rien. Donc il Et t'attaque voilà. à 1. Donc Donc il c'est fait bloqué. égalité sur la défense du forgeron. Chez moi, je vous le donne en 1000. Ils Suspense! attaquent pas. Que peut-il bien se passer? Et de lance. Voilà. On profite, voilà. Je vous montre un peu comment ça marche. Hein. Un mât récursif Voilà. Et avec les qui est dunedains. capable. Ce qui est malheureux, c'est que j'ai plein de dunedains. En fait, je voulais montrer aussi la mécanique dunedain pour montrer que j'ai des ennemis survit, enfin, des archers survit ennemis qui auraient pu attaquer à 5. Ils ne sont pas Ou là. des quêteurs qui auraient pu quêter à 4. Ou des défenseurs sentinelles qui auraient pu défendre à 5 aussi, mais là ils sont pas là. Donc en fait là je suis juste en train de montrer un deck à main avec 13 ressources. C'est un peu Sans triste. allié. C'est un sans allié, c'est un peu triste quoi. Bah C'est du vrai coup qu'en fait, ouais pour genre c'est depuis le début de la partie, en fait, t'as posé trois cartes, Et je quoi. vais juste d'un seul combo que je vais pouvoir vous montrer en fait c'est la récursivité avec la lumière elfique quoi et le chant. Voilà, ce sera déjà ça de pris quoi. Faut quand même savoir que ce deck-là, c'est un deck qui peut gérer tous les ennemis d'une table de 4 joueurs facilement. Exactement quoi. En rajoutant notamment la carte qui dit le coup du marteau, pardon, qui permet d'engager tous les ennemis en jeu. Ouais, puis tu peux aussi jouer, je l'ai mis deux fois dans le deck, la carte qui coûte pour 4. Qui peut choisir un Oui. personnage, le faire attaquer indéfiniment sans s'incliner. Et si Tout tu à es en fait. valeur, ben Tout est tu peux héros. attaquer et défendre avec tous tes héros. Moi, je vais Donc, tuer ça, parce que pas maintenant, de faut tuer les ennemis. problème, il faut les tuer, donc tue-les. L'autre, tu ne fais rien, je pense. Non, quoi qu'il a zéro de défense maintenant, mais faut pas que j'oublie de prendre ça en compte aussi, Ouais. mais enfin de toute façon non. Ok, chez moi, ben, il se passait rien. Je vais soigner ton Hama et Damrod. Ok, merci. Et du coup, bah, je vais commencer à en friter un peu. Hein. Voilà, Parce qu'il y en a fais-toi un qui est plus plaisir. haut que moi, mais là je suis à combien? 32. Donc lui il attaque à 5 sur celui-là. 6, 7, on va déjà péter celui-là. Et 3, est-ce que je peux tuer quelque chose à 3? Oui. Oui, tu peux Celui-là. tuer ouais, ça. Il faut lui aussi, il a moins 2 de défense. Il y a moins 2? Ouais, c'est pareil. Oui, ça change rien, mais enfin. Pareil. Ok, bah voilà, ça c'est fait. Tout ça, ça s'en va, lui s'en va. Et voilà. Attention combo, attention, attention. J'ai attaqué avec Ama. Je Tour 7, on a enfin pu mettre en place défausser un une truc. carte pour récupérer. Ma haie de lance est magnifique. Et vu que ma haie de lance est dans ma pile de défausse, j'utilise une ressource d'Amar Tuil qui est la sphère pour remonter la lumière elfique et piocher une carte. C'est merveilleux. J'ai pioché un Dunedain qui coûte 0. Bien pouvoir vous montrer la mécanique quoi. Voilà, Du coup, donc j'ai vous deux avez ennemis une magnifique engagés. combo. Est-ce que j'ai engagé un ennemi? Ouais, j'ai engagé un ennemi. Je gagne une ressource là et lui va gagner une. Et Vous avez donc une j'ai magnifique combo pour piocher une carte tour 7. une carte que je peux pas jouer en plus parce que je n'ai pas la. C'est pas grave. Allez, on pousse dans les ressources. Enfin, je pourrais même mettre un feu gondorien dans ce deck. Ah oui, largement, oui. Ça pourrait être vraiment bien. Ah, J'attaquerai et à même 1000. One-shotter les boss. et tant qu'à faire sans Numénor d'ailleurs si tu joues des champs bleus sur Ouais, un sans Martuil. Numenor, si je devais arriver à devoir bloquer quelque chose. Ah, ce qu'on disait tout à l'heure avant d'enregistrer, il me semble l'avantage d'avoir un gros défenseur dans ce deck, c'est pour les attaques en dehors de la phase de combat. Parce Ouais. que tout ce qui est feinte, etc., feinte et des lances, ça ne s'utilise pas en phase de combat. Parce que c'est Ouais. des cartes sur lesquelles il est spécifié phase de combat. Donc avoir un gros défenseur, ça peut aider malgré tout. Parce que là, Check si très jamais. énervé, je ne sais plus si c'était avec Ama ou pas. Je sais qu'il a un deck dunedain qui tourne avec un Martuil. Je pense que c'est Mabloong et Bérégon et qui tourne super bien aussi. Je pense Non, que ça. C'est peut-être pas Mabloong, c'est peut-être Aragorn, je ne sais plus. Enfin, si je soit, il y me a des rappelle persos comme bien, ça Hervé, qui. il en a deux. Il a un deck avec Amar Thule, Aragorn, Vert et Boromir, où il joue beaucoup sur la mécanique Ah ouais. Fontaine. Et il a bah, du coup le même deck que toi, mais avec Beregond à la place de Mabloong, où là, il joue un recyclage et des lances et Heure du Courroux, je Ouais, crois qu'elle c'était ça. s'appelle en Heure français du la Courroux, c'est deuxième ça, édition. ouais. Enfin, c'est des decks assez impressionnants à voir. Et là, tu as l'avantage d'avoir un Bérégon qui peut éventuellement bloquer une attaque en dehors de la phase du combat, En ouais. dehors de la phase d'attaque, ouais, tout à fait. Ok, ben on est bon, c'est à moi, j'ai gagné mes ressources. Qu'est-ce que je peux jouer?
Bah écoute, pour le fun. Normalement, à peu près tout ton deck avec les ressources que t'as. Oh bah le Ah, renfort. il n'y a Il n'y a même pas que besoin de lui. réfléchir. Enfin, Il de n'y toute a que façon, t'as pas lui. le choix. Voilà. Tu gagnes une ressource sur Mavlung. Exactement. Comme si j'en avais besoin. Ah, bah oui. Alors attention les yeux. Si Ouh, ce regarde ce que je vais pouvoir faire, la combo. Je vais te la mettre chez toi parce que je suis un gentil garçon. Et tu as gagné une ressource, Aragorn, en tuant ton ennemi. Non, mais non, il a pas 5 points. Ah si, il a 5. Oh, Bah c'est si, il a magnifique. 5 points de vie, bien sûr qu'il a 5 points de vie. Oh, mais Ce team play de là, fou, je dis non, mais merci. là, ça va faire la game, ça. Ton Chanter deck que me sans. serait faragant, ça c'est. Un Dany brillant et une belle épée qui brille, ouais, je trouve ça magnifique. Bah, j'ai bon, moi, c'est bon. C'est vrai que c'est Ah, j'ai super posé un efficace. Dunedain, en plus, j'ai posé un Dunedain qui ne marche même pas dans la mécanique. Enfin, si, il marche dans la mécanique parce que tu ramènes un ennemi, mais C'est vrai que c'est j'ai pas super eu. important de piocher une ressource, de gagner une ressource en gagnant la partie, quoi. C'est Ah non, non, mais ouais, non, primordial, mais j'ai envie de dire. t'imagines en fait, ouais, donc t'imagines le truc, quoi. Bon, je vais ramener ma lumière elfique et piocher une carte à nouveau, qui m'est pas particulièrement utile, mais du coup, je défausse la lumière elfique et je pioche une C'est carte. triste parce Merci. qu'en plus je viens vraiment de réaliser qu'on va gagner la partie ce tour-ci. Et... Ben oui. On va peut-être même explorer le lieu en plus, c'est beau. T'as pas une quête annexe pour qu'il se passe quelque chose? T'as pas une petite quête annexe à mettre, non? Non. Il y a plus de renforcement, il y a plus Ok, donc rien. si t'envoies tes 4 étires, on explore le lieu et c'est beau. Il faut envoyer Oh, bon, 11, 12, on va faire 1, ça, 2, t'inquiète pas. voilà. Je suis juste en train de calculer un. Oui, non, ben non, ça sert à rien, je pose un Qu'est-ce piège, il n'y que a plus tu d'ennemis qui arrivent. calcules? Ça ne sert à rien que je garde un testé sa Ce que volonté, tu il y a. peux faire par contre, c'est utiliser pour vraiment qu'on fasse un beau score, c'est utiliser ton soigneur, le redresser avec les deux ressources d'Aragorn. Tu soignes les deux tiens, puis tu soignes les deux miens. Et là, on soigne le score, tu vois. Allez, on cherche le score. Bon, bah, du coup, je viens de dépenser deux ressources vertes. C'était pour jouer un allié, mais du coup, effectivement, je vais les utiliser pour redresser mon soigneur, qui va donc soigner Damrod, bah, qui va soigner tous nos héros, en fait, vu que je vais Voilà, ouais. l'utiliser deux fois. Donc, je l'incline une fois pour soigner mes deux héros, je le redresse, et je l'incline une seconde fois pour soigner les deux héros d'Arrakis. Ça c'est fait. Et puis voilà. Donc, en zone, bon, bah, on va envoyer les trois escrimeurs, comme tu as dit. Hein, ça, je crois que ça suffit à clean. 4, 8, 12, 1, 2, 3 et ça fait 9 donc c'est bon. Et pour le score, Formidable. Formidable. alors à noter qu'on n'est pas du tout des joueurs qui avons pour habitude de se fier au score, mais bon, on va dire que c'est pour le On plaisir. voyage hein, parce que c'est comme ça que ça se passe, hein, on assure. Et maintenant la phase de combat. Alors ils vont recevoir leur petite cardon. Toi d'abord, toi puis toi puis toi. Et du coup, attention les yeux. Une haie de lance. Des fois que ça fait 9 tours qu'on défende comme ça, hein, puisqu'il y a quand même eu un tour où on a pris des risques, on a Il y a porté un nos tour, on balls. s'est dit on y va quoi. On a pris nos balls, on y est allé comme des hommes. On a Et posé nos là, balls sur la table pour jouer. elle tient qu'attaque à 1. Qu'est-ce que tu fais? Qui va avoir Pour une deuxième défendre carte en deux ennemis qui attaquant? tapaient à 2. Eh bien, je vais le bloquer avec Aragorn, et je vais dépenser une ressource bleue et incliner Arwen qui va redresser Aragorn, lui donner. Mon Dieu, regardez ça. Il Oublie pas de t'attaque redonner quand même, hein. une ombre à mon ennemi, ça Il peut va quand même jouer. t'attaquer, hein. Il va peut-être te one shot le garçon. Donc Aragorn qui gagne 3 d'attaque et 3 de défense. Rien et rien. T'attaque Voilà, à donc 1. qui défend à 6 un ennemi qui tape à 1. C'est fait. Voilà, puis à toi de jouer, toi d'abord, parce que tu as l'honneur d'être le premier joueur. Voilà. Et donc, bah, pan 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 pan, hein, j'ai envie de dire. Voilà, Aragorn qui va tuer 2. l'ennemi et qui. Le play de la partie va gagner une ressource Pas comme qui ne me ça. servira pas énormément vu qu'on a gagné la partie, mais c'est pas grave. Et vu qu'elle m'a attaqué, attention les yeux. Je récupère ma carte. Elle vend des vos, je repioche une carte en la récupérant. Une dague, la vie est belle. Voilà. Je pense que c'est tout. Petit calcul de score, 117, score très très honorable, ma foi. Pas de Tout est héros propre. blessés, pas de héros morts. Plutôt pas mal. Plutôt la branle, hein, on va le dire sans. Bon, à On la va le dire fois, comme ça. on a choisi un scénario, on a choisi un scénario simple, mais parce que On voilà, savait c'est pas un à quoi deck que j'ai construit s'attendre. il C'est y a ça. 5 minutes, donc Et puis c'est la première partie de la soirée, il faut quand même qu'on y aille mollo, quoi. voilà, c'était du test, c'était un échauffement, une mise en bouche, on va dire. Donc voilà, petit test de mon deck. Voilà, Juste voilà. pour voir ce que ça pouvait donner. Eh ben ça donne pas mal, je trouve. Ouais, le seul souci, en fait, c'est de partir à 32 menaces avec un deck qui gère pas les ennemis.
Enfin, Bah, qui gère pas les ennemis, qui ça les se gère, passe. mais qui est obligé de faire des trash pour bloquer. Ouais, t'as tes pièges et tout ça. Moi, je trouve que ça. Je trouve que Damrod, il aide à bien temporiser en fait les débuts de partie. Donc, ouais, je Ouais, puis m'accorde bien. surtout maintenant, comme on Maintenant, commence ouais, à ça avoir pas décolle mal de bien. Ça, il pièges. décolle bien en multi. Hein, donc, il est Ouais, vraiment intéressant en je multi. pense que c'est un deck de multi qui doit être. Enfin, un deck Bah, de c'est pas mal support avec le mien en multi qui est fait assez là. C'est sympa, vraiment ouais. pas mal, ouais, parce que tu quêtes assez fort au final, avec des avantages de mettre des pièges. Donc, tu alignes ta pioche. T'as quand même des J'ai un cartes peu assez de sympas. soin, j'ai T'as du beaucoup, soin, beaucoup c'est de très très cool. pioches, des cancels, En fait, puis ouais, voilà ça se quoi. meublait pas mal, ouais, ça se meublait pas mal. L'intérêt aussi de gagner un nouveau piège, c'est qu'on a trois nouvelles cartes, enfin on a trois nouveaux pièges donc qui sont dans le deck, trois exemplaires du tout dernier piège, là, le filet étrangleur, j'imagine que ça va être sa Ouais, traduction en français. Entangling Net, Et je du coup, bah, ça fait que moi là dans le piège, dans le deck, j'ai 12, oui, 12 pièges. crois. Ouais. 4 x 3. Et du coup, en fait, comme on a souvent des pièges en main, en fait, parce que des fois, c'est ça qui peut arriver quand on en avait que 9. Ouais, tu Des veux fois, pas les mettre, ouais. on pioche pas de pièges, quoi. Alors que là, du coup, mine de rien, Ouais, là, t'es ça sûr fait un. d'en poser, t'es sûr de piocher, donc ouais, Ça fait ça alimente bien, honnêtement, un c'est. bon cinquième du deck qui a des pièges, même quasiment un quart, en fait. Donc Tu c'est rajoutes les lumières et ce genre de choses, plutôt ouais, pas mal. t'as une belle, belle, belle pioche, quoi. Ouais, ah oui, ça, niveau pioche, j'ai pas de soucis. Je suis même le premier surpris de piocher autant. Bon, à la fois, Bah, Galdor a bien aidé, ouais, donc ouais, J'ai clairement. posé Galdor très tôt dans la partie, j'en ai qu'un dans le deck, donc je piocherai peut-être pas autant à chaque fois. Ouais, non, très sympa en tout cas. Ben voilà, qui termine cette première vidéo avec Nostal. Merci d'être venu, c'était cool. Ben, avec plaisir, On s'en merci refera à toi. d'autres, c'est sûr. Ben voilà, ben salut tout le monde, encore bon anniversaire à Brock, si tu nous écoutes. Exactement. Et puis voilà, dédicace à tous ceux qui aiment les Dunedain et les pièges. Voilà, et surtout à Maedlands, qui n'a fait que ça en fait. Hein, donc Mais voilà. tant ça suffit, il Mais fait qui que l'a ça, bien mais ça fait, suffit. il l'a bien fait, voilà. Voilà. Il finit riche, il finit sa vie riche et il est content. Voilà, salut, à la prochaine.